Non, j'ai raté le train. C'est pas grave, je prendrai le prochain. Ah bah ma foi, un petit peu long ce voyage. Putain, y'a personne dans cette gare ou quoi là? Allez, on va sortir de là. Salut, salut, ça va bien? Donc du coup, me voilà arrivé dans une nouvelle ville, genre de la gare SNCF. Plutôt raide ces sièges de train. On a vite mal aux fesses là-dessus, je peux vous le dire. Eh, hey, salut. Salut, tu touches à mes bouteilles, je te démontre. Non, carrément. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis barman. Ah, t'es barman, toi? C'est pour ça que t'as des bouteilles, ok, d'accord. Et en fait, tu les revends à lui, c'est ça? Oui, j'achète 10, je les revends 40. Ça paye bien, ouais? Bon, ça va. Ah, ok, d'accord. Je me fais environ 10 000 par toutes les minutes. 10 000 toutes les minutes? Bah ouais, là je suis déjà à 200 000, ça fait même pas 15 minutes, j'ai commencé. Et t'avais 500 balles, comme moi. J'ai commencé avec 500 euros et j'ai fini avec 200 000 euros. Ah, c'est que ça va vite de se faire de l'argent sur serveur. Alors ce que je te propose, c'est que je te vends 4 bouteilles pour 200 euros, comme ça tu te fais un bénéfice de 400 euros. Vas-y, j'achète. C'est sympa. Vas-y, bah, donne-moi 200 euros. Vas-y, ouais. Alors, attends. Et je te donne de quelle bouteille? Commande. Je sais pas si je me fais pas arnaquer, les gars. J'ai l'impression que je me fais arnaquer, je sais pas pourquoi. Ouais, je t'ai posé 200 euros. Après, tu les prends dans ton inventaire et tu les donnes à la dame. Ah, ok, d'accord. Ok, merci. J'ai l'impression qu'il est parti bien vite. Tu vois ce que vous en pensez? Il est parti très très vite. Bon, combien que je vais les revendre? Yeah. Combien la bouteille? You got it. Descendez. Attendez, il m'a arnaqué là, il m'a arnaqué. Bonjour monsieur, je vais vous demander contre le mur s'il vous plaît. Bonjour, oui. Oui, alors on m'a signalé que apparemment vous faisiez du trafic d'alcool. Du trafic d'alcool? Ah, le salaud, il nous a arnaqué. Oui, une personne m'a dit ça. Je crois que... Je sais pas, écoutez, moi j'ai vu un barman, il m'a proposé des bouteilles d'alcool. Je voulais boire un petit coup, tranquille, je suis majeur. Vous voyez, je suis pas sur la voie publique. Et en plus, je me suis fait arnaquer. De la carte d'identité. Ah, je l'ai arnaqué. Et m'a arnaqué, regardez, il est derrière. C'est lui qui m'a arnaqué là-bas, là. Lui, là, il m'a vendu 4 bouteilles d'alcool. D'accord. Il m'a vendu 4 bouteilles d'alcool pour 200 euros. Oh, c'est fait arnaquer, les gars. Vas-y, je me barre. En tout cas, il a bien joué son coup. Bonjour. 90 euros le cheese. Bah oui, monsieur. Waouh, mais il y a combien de steaks dedans? Moi, je dis que c'est de l'abus, hein, quand même. Vous êtes les seuls à pas aimer ses prêts parce que tout le monde achète, monsieur. Ouais, c'est cher, quand même. Ah bah, monsieur, je vais vous montrer si vous arrivez à la tête du fromage. Ah, monsieur. Bonjour monsieur, que pensez-vous des prix? Ça mérite. Monsieur. Ils sont trop chers. Ah, c'est cher. Ah, c'est cher. C'est cher. Beaucoup trop. D'accord, on est 4 à 10. La pizzeria, t'as une pizza à 65 euros. Là, un cheeseburger à 90. C'est un peu abusé, monsieur. Ouais, c'est un peu abusé. Beaucoup, là. Si vous êtes pas content, partez. Hein. En plus, je viens d'arriver en ville, j'ai pas trop de sous, j'ai un peu faim. On peut peut-être s'arranger autrement, je sais pas. Monsieur, je vous fais le cheese à 60. Allez, à 60, j'en prends à 60. 60 balles. On se calme, monsieur le pompier. Yo, et pourquoi vous jouez avec les ordures comme ça? Oh putain. C'est pour les revendre. Ah, ça se revend? Parce que c'est mal payé. Ouais, ça. Enfin. Ça dépend. Ah ouais. Yes. Qu'est-ce que tu fais en gros? Bah si tu veux, en ce moment je fais pas grand chose, mais voilà, j'aimerais bien faire pousser un petit peu de tulipe, tu vois ce que je veux dire? De la tulipe, du pétunia, je suis un peu dans l'espace vert, tu vois. Ah ouais, je vois. Mais ce qu'il y a, c'est que je peux pas vendre grand chose parce que je peux pas faire pousser grand chose en fait. Je viens d'arriver dans la ville et j'ai 500 balles. Et les pétunias, ça coûte cher à faire pousser, tu vois. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Si un jour t'as besoin d'aide, tiens, je te donne mon numéro de téléphone. Si t'as besoin d'aide, tu m'appelles. Ouais, 145 85 25, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est noté. Si un jour t'as besoin d'aide, on vient. Ouais, ça marche, ouais. On fait pousser les plantes avec toi. Ouais, vas-y, mais pas de soucis. On se masse de thunes. On va se séparer, puis on se retrouve après. Ouais, ça marche. On se sépare, on fait un peu de thunes dans la ville et... La thune à droite à gauche, après on se retrouve. Et je vous capte, les gars, ça marche. On y va de l'autre côté aussi, ouais. Ok, allez, vas-y, bah plus tard, les gars. Ok. Ouais. Je vous appelle. Dur de se faire des sous dans cette ville. Wow, qu'est-ce qui se passe ici, là?
La caisse d'épargne, elle se fait braquer, je crois, là. On se barre de là, les gars. Je me barre. Putain, il y a des travaux ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des travaux. C'est un barrage routier, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal? Ah, c'est un barrage routier. Ah ouais, il est super bien fait, ok. Ah ouais. D'accord. Donc on est obligé de passer là à pied, c'est ça? C'est tout moi qui ai conçu. C'est tout moi qui ai conçu. Ah, c'est super bien fait. Pour votre... Sérieux, hein, c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est monsieur Hayden qui l'a fait, il est très fort. Ah, il me faut de l'argent, je peux pas rester comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre métier. Je suis toujours gangster dans l'âme, mais je vais prendre un autre métier parce que là, tout de suite, je peux pas gagner d'argent comme ça. C'est pas possible. On va vite se retrouver à la rue, les gars. Donc, on va aller à la mairie. Je vais aller voir les offres d'emploi un peu. Ah, c'est sympa ici. Alors, les offres d'emploi. Chauffeur de bus, c'est plutôt bien. C'est un métier honnête. Et ça peut payer. Je ne veux plus. Ah, bah oui, puis-je avoir un bus, s'il vous plaît? Ah, bah merci. Allez. C'est parti, on va partir en tournée un peu. On va passer le barrage routier. Mais ça reste tout le temps ou bien ça disparaît dès que l'homme il décide de démissionner. Bonjour. Ok, c'est bon, il nous a laissé passer, tranquille. On va aller. Oh, bah regarde. SVP a un peu d'argent. Ah non, il est. Lui, il est SDF. Bonjour. Oui. C'est 20 euros le ticket de bus. S'il vous plaît. Ah, vous êtes un clochard, bah ouais. 20 euros le ticket, s'il vous plaît. 20 euros le ticket, s'il vous plaît, monsieur qui vient de s'asseoir. Ah, ok, bah je sors. Allez, on y va, accrochez-vous. Bonjour. Bonjour, besoin de se rendre quelque part? C'est 20 euros le ticket, s'il vous plaît. Bon, bah 15 euros, je prends, allez, 15 euros. Normalement, c'est 20 euros, les gars. Comment vous appelez-vous? Je vais vous faire un chèque. Attendez, faut sortir. Moi aussi, je vais faire un chèque là. Ah, vous voulez faire un chèque? Allez-y, je prends les chèques. Hein. Je prends la carte bleue, je prends tout. Ah, c'est. Voilà. Ah, Nathan Nate. Ah, ouais, carrément, il m'a fait un chèque. Ok. Ouais. Merci, les gars. Allez-y, montez, les gars. Montez, les gars. Vous pouvez demander à la mairie. À la mairie? Oui. Ça marche. Installez-vous, profitez du paysage, profitez du voyage. On est parti. Ah, monsieur est tombé du bus. Ah non, mon dieu, il est tombé. Oula. Ah oui, oui, monsieur est tombé du bus. On va l'attendre, on va l'attendre. Mais c'est bon, il est parti. Il est parti? Allez-y. Ok, d'accord. Oui, bon, direction la mairie. S'il vous plaît. Allez, direction la mairie. Ah, il est là. Il est là, monsieur, il est là. Il est là. Allez-y, allez-y, montez. Je les vois pas. Il est où? Il est monté? Asseyez-vous, c'est bon, c'est parti. On va passer la frontière tranquillement. Bonjour. C'est possible de passer la frontière avec mes passagers? Alors, essayez le ouais. Truc. Le tout nouveau ralentisseur X2000. Ah, tout nouveau ralentisseur X2000. Ok. On a des armes dans le coffre, on a des armes. Voilà, les gars. Il y a le bus qui arrive à fond, il me crase. Pardon? Moi perso c'est moi le chauffeur, j'ai vu personne devant mon bus. Ouais mais juste Nathan évite, fais gaffe, conduis doucement, fais gaffe. Ouais ouais bah moi j'ai conduit doucement, j'ai déposé mes passagers là tranquille. J'ai vu personne moi devant le bus hein. On était trois dans le bus, j'ai déposé tout le monde. On était trois ou quatre. Allez tout le monde est assis les gars, enfin tout le monde vous êtes que deux. Allez c'est parti, je vais faire ma petite tournée. Bonjour, vous avez besoin d'aller quelque part? Non, non, c'est bon. Non? Monsieur, que faites-vous là tout seul? Vous savez que c'est interdit par la loi de rester comme ça la nuit seul. Putain, les gars, ça paye pas, chauffeur de bus, ça paye pas. J'arrive pas à me faire des sous. Ok, je vous laisse, les gars. Ciao. Bon. Je me. Anticriminalité contre le mur, back contre le mur, descendez du véhicule. Wow! Je me barre! Descendez du véhicule! Je me barre! On se barre les gars. Quoi? Il braque pas mon bus. Allez vas-y. Il est là-bas, il s'est fait braquer le collègue là. On se barre. Merde. Oh il est coincé mon bus. Il est coincé mon bus. Descendez de ce bus tout de suite. Oh il est coincé. Tout de suite sinon je... Ah ok vous fermez vous. Bah... Bah ouais, comme ça, tu vois, tu peux plus rien faire, tu vois. Eh, t'es bien emmerdé maintenant. Oh putain.
Contre le mur. Merde. Ah, je suis là tranquille. Tranquille, j'arrive en ville, je vais me faire un peu de sous, tu vois. Non. Tiens, ça te prendra à toi, me pointer toi. Donc maintenant, quant à vous, vous allez me suivre jusqu'au commissariat. Plus vite que ça. Mais attends, mais vous êtes un fou corrompu. Vous allez monter dans le véhicule. Ouais. Vous montez dans le véhicule tout de suite. Bon. Vous montez, j'ai dit. Vous êtes un flic corrompu, c'est pas possible. Non. Alors les portières sont verrouillées, vous ne pouvez plus descendre. Ouais. Tout à fait, bon bah je vous suis. Qu'est-ce que j'ai fait pour être arrêté par la police? Bah vous avez refusé de vous arrêter car vous transportiez deux criminels qui refusaient d'obéir à la, qui refusaient d'obéir, d'obtempérer, et vous avez tenté de m'enfermer dans votre bus. Ah mais moi je croyais que vous étiez un braqueur moi. Je savais pas que vous étiez de la police, hein. C'est ça, ouais. Vous... J'ai annoncé que j'étais de la brigade anticriminalité, je l'ai annoncé. Ah bah je l'ai pas entendu. Vous avez pas l'écution sur vous. Et doucement hein, par contre avec la voiture, hein. C'est bien dommage pour vous. Doucement avec la voiture. Oh là là. Ah mais eux aussi ils se garent. Ah oui mais monsieur, si vous mettez au beau milieu de la route. Eh oui. Alors, faut bouger un peu monsieur le pompier là. Oh là là. Oh là là la conduite. Eh, vous me faites peur là. Je crois bien que je vais mourir avant d'aller en prison moi. Descendez du véhicule. Ok, bah je croyais que les portières étaient verrouillées. Elles sont maintenant déverrouillées, sorties du véhicule. Elles sont maintenant déverrouillées. Ok, très bien. Rentrez dans le commissariat tout de suite. Ça va hein. Oh là là. Eh mais il y a du sang ici, qu'est-ce qui se passe? Vous tuez les prisonniers ou quoi? Vous savez pas ce que font les prisonniers, vous aimeriez pas savoir. Entrez. Je peux pas, c'est fermé. Bonjour. Vous allez bien? Là maintenant vous pouvez. Vous avez une... Ici... Pardon? J'ai pas très bien compris. Stop! Ouais? Comme ça on peut s'enfuir. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Non, vous allez pas... Vous allez quand même pas me violer là. Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous voulez me faire quoi là? Toutes les deux vous arrêtez. Vous entrez. Ouais. Vous entrez là-dedans. Ouais, ça marche, ouais. Ah, bonjour, il y a la dame qui est rentrée avec nous. Eh, hey, il est plutôt sympa votre bureau. Wouah! Oh la violence! Vous sortez de ce bureau avant que je vous abatte. Oh la violence! Eh, hey, il est mort le dernier commissaire? Pourquoi toute cette violence? Maintenant, vous allez vous asseoir sur cette chaise. Je vais m'asseoir, hein. Alors, attendez, voyons tout ça. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a là? Alors. Refus d'obtempérer, délit de fuite et vous tentez de m'enfermer. Ça vous fera 1000 euros d'amende ou vous allez en prison? 1000 euros d'amende? Ben j'ai même pas 1000 euros sur moi, je viens d'arriver en ville, je faisais chauffeur de bus justement pour me faire un peu d'argent. Soyez indulgent, monsieur le commissaire. Je viens juste d'arriver en ville. Descendez de votre chaise. Je recommencerai pas. Oh non! Monsieur le commissaire! Sortez-moi de là! Ok, bah il nous a mis en prison. Ah, c'est quand même dégueulasse, quoi. Non! Non! Mon Dieu, ça va être mon tour après. Eh, hey, monsieur le commissaire, j'ai fini ma peine, moi. Oh, je peux sortir. Ah, bah voilà! Putain, quand même, c'est pas trop tôt. Bon, je vais faire éboueur. Peut-être que ça peut bien payer. On va essayer, on va faire sa tournée. On va ramasser les petites ordures. Je vais demander au policier comment je peux avoir mon camion d'éboueur. Bonjour. Vous saurez pas par hasard comment avoir mon camion déboueur? Je viens juste de commencer là. Au concessionnaire, monsieur. La boîte d'intérim m'a emmené ici. Bon, on va aller au concessionnaire. Concessionnaire, il me semble que c'est par ici. Hein. Là, c'est le SAMU. Concessionnaire, c'est pas ça le concessionnaire. Camion poubelle. Et ben voilà. Acheter et mettre au garage. On va faire un peu le tour, ramasser les ordures. Attends, j'espère quand même que je vais me faire. Quoi? Attendez, j'ai 0 euros sur moi. Il m'a pris toute ma thune, l'autre. Je suis dégoûté. Il m'a pris toute ma thune. Bon. On va s'arrêter là. Voilà, c'est fermé à clé. Il y a sûrement quelques ordures ici. Je crois qu'il est fermé, le McDo, là. Bon, ok. Il n'y a pas de poubelle ici. Ouais. Ouais, bonjour. Pardon? Ils veulent mes poubelles. Bon, montez. Allez-y, montez.
Asseyez-vous. Je vais faire la... Je vais aller les voir. Vous êtes... Eh, mes poubelles. On touche pas à mes poubelles, hein. Eh, mes poubelles là-bas, là. Je vais le rattraper. Eh, hey, ça c'est mes poubelles, tu rigoles? Tu rigoles ou quoi? Non, 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 ça c'est à moi ça. Non, 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 non. Non, non, ça c'est à moi ça. Vas-y, donne, ça c'est à moi ça. Tu rigoles? Eh, hey, y'a marqué éboueur sur ton badge. Vas-y, prends-y les poubelles. Ouais, ouais. Ça, c'est à moi, les gars, ça. Eh, hey, mais pourquoi que tu me prends mes poubelles? T'es pas éboueur, toi. Oh. Bah si, c'est interdit, tu rigoles. Non mais attends. Après faut bien que tu laisses des poubelles au... Sinon, il a, si son métier, ça fait rien. Yes, merci. Bon, je vais essayer de faire une marche arrière avec le camion. Mon dieu, je me croirais dans Euro Truck Simulator là. Voilà. Bon bah je crois que je vais aller faire un prêt à la banque, hein. Dur le métier des boueurs quand même, hein.